Donc, Florence Lecheux, je suis donc exploitante agricole sur la commune d'Ernée, pas très loin d'ici. Donc, je suis en EARL avec mon mari et nous avons deux productions sur l'exploitation, une production laitière et une production porcine, naisseur-engraisseur. Donc, nous avons une salariée à temps complet sur l'exploitation. Donc, pour moi, ça a été un grand plaisir de venir aujourd'hui parce que nous sommes toujours passés par du salarié, et ça a toujours été un plaisir de voir la conclusion après des années passées en tant que salarié sur notre exploitation, le devenir de ces gens-là puisqu'ils se sont installés ou sont restés quand même salariés dans l'agriculture, et de retransmettre, d'expliquer le fonctionnement d'une exploitation, de concrétiser justement le projet de la personne. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir de voir justement la conclusion de l'installation. Donc Anna Berthomé, je suis coordonnatrice générale et directrice adjointe au centre de formation pour adultes du lycée agricole de Laval. Donc centre de formation qui accueille des adultes dans le cadre des métiers de l'agriculture, du cheval et de l'agroalimentaire. Alors, à ce jour, on a deux formations relativement courtes et immédiates, puisque commençant fin avril et début mai. Une formation CQP, donc pour des salariés en élevage laitier, en 4 blocs de compétences, et une formation en conduite de machine, qui est plus courte, pour une opérationnalité assez immédiate dans la conduite et le machinisme. Donc il n'y a pas de souci, toujours possible de s'inscrire. Donc une des étapes, c'est de se rapprocher de son conseiller Pôle emploi pour valider la prescription et le projet professionnel, et de contacter le centre de formation pour adultes pour s'inscrire sur les dates d'information collective. Donc les renseignements sont sur Internet, ou bien nous contacter par téléphone.